mérite. Vraiment, on le mérite, puisque bah, ça nous ressemble. On va devoir la faire vivre, elle va vivre. Entre musique, entre danse, elle va tourner. C'est le travail de la région et je félicite encore. Je dis merci à M. Charles avec toute son équipe. Qu'on a des outils comme ça, c'est porteur. Je pense que c'est vraiment un très bel outil et que ça ne peut nous apporter que du bien. Demandez les ancêtres, ouvrez la porte là-bas, nous ensemble. Les ancêtres, ouvrez. Les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres. Un pied bois, son pied bois, un pied mango, son pied mango, il fait pour porter mango. Il applique à tomber, qui vent, qui vente, qui cyclone annoncé. Eh bien, côté citron, côté, aussi là, moun qui a maqué livre, qui vient présenter livre à yo. Moun qui a fait thèse à yo, à ce qu'il dit, tout nourriture à l'esprit, yo qui vient présenter travail à yo. Eh bien, moun qui n'y j'ai pédagogique à développer pour ouvrir l'esprit à Timoun ici, eh bien, c'est qu'on côté pour la grand ouvert, où yo fait ça, yo n'y a fait. Pour le moins, c'est ouvert le matin, nettoyer, veiller, regarder si tout bien a fonctionné. Mais en son acteur culturel aussi, donc les Kenya a développé culturellement ici aussi, donc ils mettaient main en main à la pâte. Culture son bitin qui est indispensable. C'est vraiment quelque chose de vaste et il faut donner du sens à la culture, il faut créer aussi bah, tout moyen pour y évoluer, pour que le pays brille. Il y a 40 ans d'Akio, nous avons proposé de les accompagner, surtout qu'ils ont été cambouillés à plusieurs reprises. Oui, nous voulons équiper la Guadeloupe, comme nous l'avons déjà dit, que mène M. Nelson, Mme Géraldine Nagan, en matière de sport, en matière culturelle, sur les routes, sur l'économie du pays. Et ce sera aussi un volet touristique, parce qu'avec la maison Toll, nous voulons allier les deux, faire en sorte que ces maisons, ces bâtiments que nous avons maintenant, puissent pouvoir devenir un lieu touristique très prisé et visité par ceux qui viendront en Guadeloupe.